Bonsoir à tous, c'est Kimpif. Donc on se trouve pour une nouvelle vidéo, je fais l'intro dans ma chambre car j'ai zappé de la faire une fois sur l'eau. C'était une pêche en fait où on a fait une prospection dans une sorte de marécage que je ne connaissais pas du tout. Et puis on a passé la fin de session en Loire. On a pêché d'abord au pain et puis on est très vite passé au leurre. Vous allez voir qu'on a fait pas mal de poissons et pas mal d'espèces différentes. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Bon, du coup, là, on est dans un petit marais en fait qui vient de vivre. On va essayer au pain comme ça, faire des carpes là-bas avec un gros morceau de pain en surface. Il fait chaud donc c'est le bon moment. Et je pense à mordre. Allez, on va lancer par là. Hop là. Voilà, là je suis vraiment bien. Donc là, il y a vraiment juste à attendre. Et j'espère que ça va mordre. Le petit problème que j'ai et qui est pas très commun, c'est qu'il y a trop de poissons. Du coup, à peine je pose, et les poissons sont déjà dessus en train de le manger. Et ils me dépiautent tout en quelques secondes. Vous voyez, hop, c'est prêt. Et en quelques secondes, ça va mordre. Attention. Poisson, voilà. Et du coup, à peine je pose et le poisson, enfin le bout de pain est déjà dépiauté, c'est compliqué du coup de faire des grosses carpes dans un carafe. Donc vous voyez, à peine je pose et ça mord déjà et du coup, il m'enlève tout le bout de pain. Et les carpes, on n'a pas le temps de le prendre, parfois il y en a plein. Hein. Donc on va essayer de sélectionner les prises. Allez, hop là. Bon, chose incroyable, mais du coup, en pêchant au pain avec tous ces petits poissons, j'ai pris une perche. Et voilà, il y a des perches qui mangent le pain. C'est pour vous dire vraiment, ici, dès que je pose le pain, il part. Il y a du gardon, du carassin, du rotin, même de la perche qui prend le pain. Voilà, une micro-perche. Et on repart. Hop, c'est bon. Attends, attends. Ouais, là, on va essayer. À la petite dudule, l'arbre de libellule. Là, je le sens mal, regarde. Je vais mettre un insecte. J'ai un insecte, je le sens bien, un insecte. L'autre, il fait un lancer, un poisson. Bah attends, là ça se calme. T'es en live là ou pas? Ah ouais, la fine. Non. Ah ouais, c'est bien ça. Magnifique ça. Ah, loupé. Ah, poisson. Je vais aller. Oh, c'est une perche. Ah, je l'ai pas vu. C'est une perche. Non, je vois pas. Hop, vous voyez. Oh, bah, oh là là. Ah, oh, toi aussi. Ah, oh, décroché, dommage. Ah, ça va être l'euphorie là. Donc, vous voyez, avec des petites tares de libellules, ça mord bien. Il faisait au moins 1m50. Et en plus, elles sont monstrueuses. Voilà. 35, je dirais. Allez, repart. Et il a enfin réussi à faire sa masta perche. Allez, voilà, vas-y. Allez. Oh mince, ma dudule, à la cuillère. Merci, ma petite perche. Allez, tu reviens tout de suite. Hein. Allez, reviens. Ah putain, ça t'a pris. Alors, je te sors un cuir avec l'air des libellules tout à l'heure. Oh bien. T'as bien fait? Mais j'ai un Mister Twister Tube. Ça, c'est le meilleur leurre que je fais pour la perche. C'est une espèce de petite octopus, tu vois, rouge, qui vend que la propèche. Et je vais le mettre après, tu vois, c'est un délire. Ouais, j'ai raté. Allez, avec le Looper Pooper. Oh, poisson. À la larve du libellule. Et voilà un carassin au leurre, ça c'est un carassin au leurre. Voilà, petite larve libellule, un carassin. Allez, repart. Hop. On change, on essaie la cuillère 005. La plus petite cuillère de tous les temps. On va regarder, c'est un peu comme ça dans le numéro 1. Encore une perche. Mince. Tombé. Allez hop. Allez. Bien joué. Ah, il est joli lui. Ah, bien joué. Tu veux les pizettes? Non, c'est bon. Il est pas si mal, hein. Hop. Et voilà un joli faible. Encore? Oh là là, bien fait. Oh, les en moins un peu, hein. J'ai pas commencé à lancer encore. Et là, je t'en fais un, là, je suis en plein dessus. Ah, poisson, loupé.
Ah, dégoûté. Ouais, j'en ai loupé un là. C'est vraiment en plein dans le banc. Hop. Là, c'est bien. Ah, loupé encore. Poisson! Ah, je les voyais, je te dis. Allez. Je te dis. Il m'a attaqué trois fois celui-là quand même. Il avait faim. Ça repart. Oh, oh, oh la vache! Oh, bien joué! Allez, tiens, viens, on va là-bas, tu vois, on va le ramener. Hop. Bien, ouais, viens. Et voilà, un joli chêne. On va le mettre là. Allez. Hop. Et c'est bon.